Bonjour tout le monde, ici Sam Poirier de ZM La Zone Musicale. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter le tout nouveau EX50 de Roland. On va parler des fonctionnalités globales, des sons intégrés et des capacités d'arrangement de ce clavier-là. Donc, le tout nouveau EX50 de Roland, on va commencer avec un petit survol des sons intégrés dans le clavier, dont le premier qui est le son Grand Piano, qui est tout de suite sorti de la série de sons qui est intégrée dans les pianos numériques de Roland. Donc, le son Grand Piano, premières impressions, on a une excellente réponse au niveau des basses fréquences, très bonne clarté au niveau du high aussi, puis on a même un son de salle reverb qui est très clair et très bien défini également. Donc, pour tous les autres instruments également compris dans le clavier, on en a une panoplie, on a un grand total de 707 sons d'instruments. C'est garanti qu'on a des heures de plaisir avec ça. Plusieurs sons d'instruments passant des synthétiseurs à des instruments venus du monde entier, à des percussions. On va vous faire une petite démonstration d'un petit choix de l'équipe. Pour les autres fonctionnalités du clavier, on a plusieurs sorties qui permettent de nous connecter à plusieurs appareils, dont deux sorties en jack 1/4 qui permet de nous brancher soit au travers d'interface audio pour s'enregistrer, qui est la manière dont vous entendez les sons qu'on enregistre aujourd'hui. Il y a aussi la possibilité de pouvoir se brancher dans des consoles pour pouvoir utiliser ce clavier-là sur scène. Donc oui, on peut faire des performances avec ça. Il y a également une prise USB qui sert à se brancher à un ordinateur pour aller chercher l'éventail de possibilités que ce clavier-là peut donner au travers d'une application. Avec le EX50 de Roland, il y a également la possibilité de pouvoir brancher un microphone ici pour pouvoir s'accompagner tout en chantant au clavier. Il y a également la possibilité d'utiliser le micro comme vocoder avec le clavier, ce qui permet d'aller chercher plusieurs effets assez intéressants. On peut également se connecter en Bluetooth avec un appareil intelligent pour faire jouer notre musique en même temps sur le clavier, pendant qu'on joue pour la pratique ou pour s'accompagner tout simplement. Il y a également une autre fonction sur le clavier qui permet de s'accompagner tout en faisant des notes de base, ce qu'on appelle le One Finger Touch, qui vient aller simuler un groupe, plusieurs instruments qui viennent suivre la tonalité dans laquelle on joue, que ce soit pour faire des accords, un rythme précis, pour qu'on puisse continuer à faire la mélodie de l'autre main. Il y a également plusieurs rythmes d'intégrer dans le clavier, passant du rock au jazz, ce qui permet de nous accompagner pour aller chercher une panoplie de styles différents. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de lâcher un like, un commentaire et de vous abonner à nos pages. Le EX50 de Roland est disponible en succursale et en ligne. N'hésitez pas à nous appeler ou à commenter pour toute question. Merci encore. On se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.